Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est De Guitty. Célébrité Closet. Bonjour à tous, bienvenue à l'équipe de Fashion Africa TV chez moi. Alors moi, c'est Hilary Liamoderagmana, jeune entrepreneur dans le milieu de la mode et aussi chargée de recrutement et aussi présidente de l'ONG Self Empowerment. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une partie de mon dressing. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on y va, on va commencer par les chaussures. Alors, je commence par celle-là. J'adore la couleur, j'adore la matière. Elle est super confortable. C'est mes petites baladeuses. Franchement, c'est très beau. Je peux les mettre sur des pantalons, des jeans et tout ça. Et ça fait vraiment habillé. C'est très beau. Et j'ai celle-là aussi. Ma Calvin Klein. Alors ça, c'est un cadeau acheté aux États-Unis. J'adore cette chaussure parce qu'elle fait pas mal aux pieds. On peut la porter partout et franchement, c'est la couleur et tout ça, c'est vraiment beau. Il y a le CK ici qui rappelle donc la marque de la chaussure. Voilà, parce que souvent quand tu portes des chaussures, il faut qu'on puisse voir la marque et tout ça. Voilà, et j'ai cette petite paire jaune. Alors la couleur, le talon, on dira pourquoi cette chaussure jaune. J'avais beaucoup de chaussures noires, j'avais pas l'habitude de mettre des chaussures de couleur et tout. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il faut maintenant que je mette des chaussures de couleur, il faut sortir de la monotonie du noir. Et donc j'ai trouvé cette chaussure jaune là. Et après, au travail, quand je suis en entreprise, le fait de marcher tout le temps, tous les jours, ça épuise les pieds. Donc j'ai cherché ces centimètres là, justement. Donc là, je peux porter ça pendant la semaine de travail et tout ça, et il n'y a vraiment pas de problème. C'est ma petite chaussure jaune. Ok, alors j'ai celle-là. Ma jolie petite chaussure noire. Ce qui me plaît le plus, c'est son côté pointu. Voilà, donc là, le piqué. Ça sort de l'ordinaire, hein. C'est vraiment piqué, c'est joli porté, franchement. Celle-là, quand je porte, je peux porter ça sur des robes, sur des pantalons, sur des jeans, ça passe partout. J'adore cette chaussure. En fait, j'aime toutes mes chaussures. C'est un peu compliqué. Ah. Je vous présente cette paire. Alors là, c'est un peu différent parce que le talon, il n'est pas pointu, ni carré. Si vous voyez bien, il est tout plat. C'est ça qui fait sa particularité. Je l'avais acheté lors de mon voyage en France. Et c'est ma jolie petite chaussure que je ne porte pas tout le temps. Voilà. Je ne porte pas tout le temps. Avec son petit côté pointillé, le petit design. C'est vraiment trop top. Allez, assis, les chaussures, il y en a tellement. Je vais vous présenter mon petit sac Panthère. Alors, c'est un sac Guess. Encore venu tout droit des États-Unis. Alors, ce que j'aime le plus dans ce sac, c'est que j'aime la forme d'abord. Parce que moi, j'aime pas trop les grands sacs. J'adore quand ils sont tout petits et tout ça. Et ma couleur préférée, donc le rose. Voilà, la couleur appelée ici. Il est en modèle piton. Petit modèle piton. Guess. Il est très beau. J'adore ce sac. Voilà, je peux pas le mettre sur tout. Ça passe à 16h, la petite celle-ci. Voilà, super mâché. I like. J'adore ce sac. C'est parti de mes sacs préférés. Alors, ce sac-là, il est rempli. Ça, c'est un cadeau. Et je l'aime particulièrement parce que c'est une amie qui me l'a offert. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Il est en cœur. Ça montre tout l'amour qu'elle a pour moi. Et franchement, je l'adore, c'est une petite pelle rare et voilà. Alors, ce qui est tendance en ce moment, ce sont les accessoires, les sacs et les sacs en pagne. Comme vous pouvez le constater, il y a ce petit sac-là en pagne qui est très beau. Je vais vous montrer avec quoi est-ce que je le mets tout à l'heure. J'aime bien. Alors, Jacques Estérel en rouge. Le rouge est toujours une bonne idée. Voilà, bon, j'ai encore les sachets là-dessus. Je vous montre ça
Ce sac-là, on peut le porter comme ça. Donc, au dos, comme ça. Ou on peut le porter comme ça, comme un sac, simplement. J'adore la couleur, c'est de Mac Jacques Sterel et il est très tendance actuellement. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les habits, les vêtements. Alors, on va commencer par quoi? Moi, j'adore les robes. Je suis beaucoup robe. Comme vous avez pu le constater, j'adore les robes. Je porte très peu de pantalons jeans. Moi, c'est tout le temps les robes parce que ça met mes formes en valeur. Et vraiment, j'adore les robes. Donc, je vais vous montrer un peu les robes que j'ai ici. Je commence par celle-là. Attention, il y a du volume. Alors, ça, c'est l'une de mes robes préférées. C'est trop joli, franchement. J'adore le modèle. Vous voyez le chichi qui est là, qui descend. C'est vraiment tendance. On peut le porter lors d'une invitation pour un mariage et tout ça. C'est vraiment joli. Et il y a une ceinture là-dessus. Donc, il y a la ceinture qu'on met à la taille. Voilà, on met la ceinture comme ça à la taille. Et voilà, ça fait l'affaire. Donc franchement, c'est vraiment beau. Alors, les robes. Il y en a tellement. Oh, il y a cette petite robe-là. Avec la dentelle, elle est super jolie portée, franchement. Super jolie portée, ça donne un petit style classe, un peu sexy. C'est vraiment très beau. On peut voir la qualité de la robe à travers la dentelle. C'est vraiment très joli. Alors, on continue avec les robes. Ça, c'est pas une robe. Oh là là. Alors, j'ai celle-là. Celle-là, elle est belle. J'adore la couleur, l'orange. Je vais bien vous la présenter. Ta-da! Avec le côté trapèze en bas, c'est vraiment joli. J'adore cette robe parce qu'elle marque mes formes et elle n'est pas vulgaire. C'est très important de s'habiller en tant qu'une personne responsable, de s'habiller classe, de ne pas trop montrer ses formes, voilà, juste là où il faut. Donc, il y a cette robe-là que je mets avec cette ceinture. Donc, la ceinture, on la met juste à la taille, comme ça. Et voilà, c'est impeccable. Avec des talons. Avec ces talons-là, ça passe. Ça passe très bien. Je vous montre encore. Alors ça, c'est l'une de mes vestes préférées. J'adore cette veste, franchement. Attendez, je vous la montre bien. Voilà. Ça, franchement, quand tu te tapes ce style-là, ça donne les gens dans les Champs-Élysées. C'est très beau, franchement. C'est très beau. Voilà. J'adore. Ça passe sur tout. Un pantalon, une jupe, tu mets et voilà, t'es parti, tes bottes. Ça passe sur tout, même des baskets. Ça passe sur tout. Là, on est arrivé dans les vestes. J'ai beaucoup de vestes. C'est une veste jaune. Voilà. Ça, avec un ensemble, j'ai l'habitude de le mettre avec un pantalon bleu et un haut bleu là-dessous.
ça fait ressortir la couleur jaune et c'est très tendance pour aller au travail. Je porte ça lorsque je dois aller au travail ou lorsque j'ai des personnalités à avoir, des rendez-vous super importants. Donc je mets cette veste-là. Les vestes. Il y a cette veste aussi. Alors cette veste-là, on peut la porter en robe. Donc c'est une veste en robe, en violet. Voilà, celle-là, quand je la porte, normalement, en règle générale, je ne mets rien là-dessous. Donc c'est juste un débardeur et tout. Voilà, c'est parti, quoi. Parce qu'elle est longue et elle est en forme de... de robe. Voilà. Voilà, je vous montre l'arrière. Alors nous avons, comme je le disais tantôt, les vêtements avec des finitions en pagne actuellement sont très tendance. Ça donne un style africain, très tendance. Alors je vous présente ma petite jupe. Alors, cette jupe-là avec des finitions en pagne, c'est un ensemble, hein. C'est pas juste une jupe. Il a son haut ici. Alors bon, je vous présente d'abord la jupe. Voici la jupe juste à la taille. Ça descend, c'est bien... Voilà, comme ça, avec la petite corde pour attacher, et ça se porte normalement avec un haut. C'est son petit haut sauté. Voilà, il est très beau porté, ça passe partout. Dans des petites fêtes, des petites cérémonies, sorties à 16h, ça passe vraiment partout. Donc, c'est la jupe et le haut. Acheté à Dan Boutique. Déjà, je suis en coucou à Dan Boutique où j'achète tous les vêtements. Quelqu'un dira que, que j'aime les panthères. J'ai beaucoup de vêtements dans ce ton-là. Alors, il y a cette robe. Comme je l'ai dit, j'adore les robes. J'adore les robes parce que j'ai des formes et ça marque mes formes. C'est vraiment très beau à voir. Et j'adore porter les robes. Qu'elles soient amples, qu'elles soient plaquées. J'ai cette robe-là. Elle est super, super belle. Elle est très belle portée parce qu'elle marque la forme. Il y a ce petit, voilà, ce petit trait ici qui donne tout le jambe de la robe. Elle descend, elle n'est pas vulgaire. Donc elle dépasse les genoux largement. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui, parce qu'on va pas terminer si je vais demander tout mon dressing. Je remercie l'équipe de Fashion Africa TV qui a bien voulu donc venir chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Dougiti. Célébrité Closette.